Voilà, c'est parti. Faut qu'il y ait sorti de plus départ. En l'occurrence, la main de Janio Simon pour Creuse Oxygène qui est habillé, bien sûr, tout de vert. Mais attention à Timothée Fabre et à Maxime Bossy, l'un de dernier et d'autres, bien sûr, de Saint-Étienne. Pour le moment, le Grenois, Baptiste Vieillard, est mal embarqué pour une place qualificative. C'est le team Ronald qui a pris la tête des opérations avec Timothée Fabre. En deuxième position, Janio Simon de Creuse Oxygène. Il reste deux noms à connaître maintenant. Et la dernière ligne droite est engagée maintenant avec le numéro 77. Il s'agit d'un... Et toujours dans la même catégorie, Julien Ladet est présent, il y a Blanchot titulant, Valentin Pivot, Adalance, Alexis, il y a Chambrier, Mathis et Théo Saez. Vous connaissez tout le monde, bien sûr. Et vous dites actuellement Valentin Pivot pour prouver Mix Club Aquitaine était en tête, mais dans le à la mi-parcours, un intérieur extraordinaire de la part Blanchot titulant de Saint-Maxime est venu lui reprendre la première position. Attaque lance Alexis de Solon. Le Bourguignon est en troisième position. Alors que ça revient terrible de l'arrière. La déjeuner de Lilou. Dernier quart de finale sur la piste de Cherche, bien sûr. Souris Alexandre, Loris Moret, Calardo Maxime pour le club de Beaune, tout pour Maxence, Monty Ozen, Loen de la Garde et Léon Chucha pour le club de Châtel. Voilà, vous connaissez tous les noms. Et ça déménage très fort avec Maxime Calardo pour le club de Beaune en troisième position et Monty Ozen, Léon de la Garde en quatrième position. Car le leader, vous l'avez vu, c'est Gautreau Maxence du 4 jambes des Messieurs. Morel-Louis de Carpentras qui remporte son quart de finale. Pas de chance pour Léo Chéchard des Chaveuil qui est malheureusement tombé dans le dernier virage au départ. Le dernier quart de finale, le dernier du quart de finale maintenant. Et les deux, et les vainqueurs, et les deuxièmes du classement des cruiseurs 20 pouces sont ensemble. Raphaël Maillet bien sûr et Louis Borrero. Et c'est Louis Borrero le Brassélois qui a pris la tête de devant le Réunionnais maintenant. Raphaël Bayet, et ensuite nous avons Léon Flou, le Cavaillonnais en troisième position, et la quatrième place, on croyait peut-être parce que Jean Mestras à Tim Busser, Tim Busser va plonger, attention les transferts avec les gens, et il est passé, Floricourt